ma voisine qui faisait un pot-au-feu. Connaissant pas la cuisine, elle s'y prenait de son mieux. Comme je sais qu'elle est gourmande, j'ai voulu lui faire plaisir. C'est moi qui fournis la viande et elle de quoi la faire cuire. C'est moi qui fournis la viande et elle de quoi la faire cuire. Dans la marmite, sous un bon feu, la viande est cuite, j'en suis heureux. Non, ce n'est pas de la camelote, dit-elle en voyant le morceau. C'est un beau morceau de culotte, dommage qu'il ait tant de peau. Mais n'ayez pas trop de peine, dit-elle d'un air polisson. Si la marmite n'est pas pleine, on mettra les deux oignons. Si la marmite n'est pas pleine, on mettra les deux oignons. Dans la marmite, sous un bon feu, la viande est cuite, j'en suis heureux. Cher ami, le feu va trop vite, ne soyez pas si déçu. Attention à ma marmite, elle est déjà un peu fendue. Depuis le temps que je la trémousse, je sais pas si elle va durer. Évitez donc les secousses, vous allez me la défoncer. Évitez donc les secousses, vous allez me la défoncer. Dans la marmite, sous un bon feu, la viande est cuite, j'en suis heureux. Quoi ? La viande est déjà cuite ? Qu'est-ce qu'il aurait déjà cru ? Au lieu que le morceau profite, v'là-tu pas qu'il diminue. Moi qui croyais faire la noce, j'ai à peine pour ma creuse-dent. On ne peut même pas retirer l'os, car y a plus de moelle dedans. On ne peut même pas retirer l'os, car y a plus de moelle dedans. Dans la marmite, sous un bon feu, la viande est cuite.